interpeller sur la traduction de ce qui est très cher à chacun des concitoyens qui sont ici. C'est ces notions un peu de bien vivant, de bon goût, de proximité, et puis également de possibilité d'avoir un panier de la ménagère à portée de main. Nous sommes ici sur le Festival de la Tomate. L'Association des marchés paysans, vous la connaissez tous peut-être un peu, puisque vous participez depuis longtemps tous à ce festival. Nous mettons régulièrement, nous démarrons ce qui s'appelle des lieux de commercialisation circuit court, dans lesquels vous pouvez retrouver une grande partie des exposants qui sont là, vous les retrouvez dans nos marchés. Ces marchés ont la caractéristique d'être pilotés, gérés avec des comités d'organisation dans lesquels figurent les consommateurs, les paysans et aussi les élus. Donc c'est une œuvre collective. Je crois qu'on peut remercier l'eau ce matin, où on en a eu, et on sait que l'eau c'est la vie. Merci beaucoup, messieurs, dames, et moi je me permets de vous souhaiter une bonne dégustation. Vous connaissez ces tomates? Oui, j'en ai 121 variétés à la maison. Je viens de m'en prendre demi-douzaine, hein, en plus. Et puis il n'y a pas que les tomates qui sont. J'ai pris des semences de courge, oui. Cucurbitacées, des cœurs russes orange. J'en ai une fabuleuse, là. C'est celle-ci. C'est des copias. Et puis tout ça. Et regardez-moi ça, c'est pas mignon ça? Et des poivrons mandarines. Alors, au début, je sais pas, les... Hein? C'est pas mignon? En plus, c'est bon. Huile d'olive, thym et romarin. Bon, je vais travailler, hein, parce que on n'est pas là pour rigoler. Voilà le monsieur qui est le vrai spécialiste des tomates. C'est lui le collectionneur. Elle vient de là-bas, alors ça se fait pas. On recherche vos accumulations. Non, ça continue, j'arrête pas, tout le temps, tout le temps. Encore? Vous n'avez pas épuisé le sujet? Ah non. Là, le mois dernier, j'ai trouvé une centaine de variétés nouvelles. Encore? Et là, une amie m'en a ramené une trentaine, j'ai même pas eu le temps de faire l'étiquette. Il y a des collectionneurs, vous voyez, la semence partage derrière. Ils ont des tas de variétés qui font venir eux aussi du monde entier. D'accord, donc c'est un échange aussi. Oui, voilà, et puis elle me donne des graines, je lui en donne. Voilà. Toutes les variétés de tomates. Toutes les variétés de tomates, c'est tellement, il y en a tellement. C'est super. Non, en photo, les avoir en photo. Alors, et moi, en salade avec une bonne salade de tomates, avec plusieurs variétés, de la pêche. Comment ça s'appelle? Tomate andine. Andine. Hier soir, j'en ai mangé une qu'il m'a donnée de son jardin. Non, moi, j'ai mieux que ça. Ça, si je puis dire, en apparence. Ouais. Peut-être au bout, c'est différent, mais... T'aimerais des graines? Tu m'en donneras? Oui. Sans aucun problème. Je dis que c'est extraordinaire. À la retraite, là, maintenant, moi, j'ai acheté des plants à la paillade. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai acheté des graines. J'ai fait venir mes graines, j'ai planté mes graines dans ma salle à manger, derrière à la vitre, et au bout de quelques semaines dont je l'ai eu, et puis on a mangé des tomates, et on mange des tomates, et on donne des tomates aux enfants, aux amis des enfants, à toute la famille. Et c'est le bonheur de voir tout ça, ça continue, ça perpétue le bonheur.